connaissent ses partisans. C'est-à-dire que le parti ne nous reconnaît pas. Pour que le parti puisse te reconnaître, c'est il faut avoir ta carte de militant. Ce qu'on appelle carte de membre de l'association. Il faut avoir ta carte de militant. C'est ce qui fait de toi un militant du RDP. C'est ce qui fait que le RDP te reconnaît. Et beaucoup disent, mais ceux-là, on va les suivre, après, on ne va plus les voir. Si tu suis un parti, que tu n'as pas de garde, mon frère, ce n'est pas la paix. Tu perds ton temps. Parce que demain, quand il s'agira du partage du gâteau, tu n'es pas dans la base de l'homme. Et pour votre information, sachez que en tant que deuxième vice-président, chargé de la vie, de la politique générale et de la stratégie du RDP, bataille du gâteau, j'ai mon mot à dire. C'est-à-dire que je dois dire oui à ce moment. On peut donner tel poste de chef de service maintenant, souviens, il va gérer le parc autour du ministère parce que il a fait ses preuves. Et en plus de ça, il a sa carte de militant.